Capricorne, j'espère que vous allez très bien. Alors, on se retrouve pour votre vidéo de vie sentimentale pour la période de octobre 2021. Alors, juste avant, je voulais aussi remercier donc les nouvelles personnes qui viennent de s'abonner. Et puis, les personnes qui étaient déjà là, eh bien, je vous remercie également pour votre fidélité. Voilà, je voulais le dire en début de vidéo. Alors justement, puisqu'il y a des nouvelles personnes, et puis de toute façon, je renouvelle en fait l'explication à chaque fois. J'explique donc comment est structuré le jeu. Ici, vous avez la partie présent. Ici, c'est l'obstacle, ou alors quelque chose qui est à développer. Et en dernier, c'est l'évolution de la situation. Les trois cartes qui sont en dessous font partie du même point, c'est juste une information complémentaire. Et puis la carte qui est ici, c'est la carte de l'ambiance qui va colorer donc la période en question. Et ici, c'est le mois d'octobre. Alors, vous avez la carte de la Lune dans son sens droit normal. Donc, c'est son sens en fait le moins favorable. Et cette carte-là, elle va amener comme information que durant le mois d'octobre, il y a, je dirais, une période un petit peu étrange du fait qu'il va y avoir de l'instabilité. Il y a oui, instabilité au niveau des humeurs. Alors également, il peut y avoir des situations où vous vous sentez piégé, où vous sentez qu'on vous dissimule quelque chose, alors mensonge, piège, etc. Et peut-être qu'au niveau de l'intuition aussi, il va falloir faire plus attention parce que il peut y avoir des erreurs justement, même si c'est de l'intuition, mais ou alors ce sont des mauvaises intuitions que vous ressentez, que vous captez. Alors, et aussi donc la carte de la Lune indique également que vous pouvez être concerné par quelque chose qui concerne donc votre famille, la famille que vous créez, vous, en couple. Et je précise ça. Voilà, donc ça c'était pour la carte d'ambiance. Ensuite, on passe au point présent où il y a la carte de la prétendante qui se trouve dans son sens renversé. Alors, j'aimerais bien que la caméra fasse le point, mais ça ne fonctionne pas aussi bien que je le souhaite. Donc, ça fait rien, on continue. Elle est associée, cette carte, à la 49 adversaire. Donc, ce sont deux cartes qui sont difficiles à vivre parce que dans un sens, alors, la première carte, la prétendante, va nous parler, alors, ce n'est pas forcément difficile en soi, parce que ce n'est pas une épreuve, là, ici, mais elle parle donc d'ambition, de très grande ambition, donc j'allais dire démesurée, c'est-à-dire de très très forte ambition, parce que je pense qu'il y a au niveau du couple un manque ou un sentiment de manque et d'insécurité par rapport à l'aspect matériel, à l'aspect financier. Peut-être qu'il y a même des dettes, en tout cas il y a un problème financier matériel et donc c'est difficile à gérer au niveau du couple. Il y a des explications qui doivent se faire. Quand je dis explications, c'est pas forcément des disputes, mais de toute façon, puisque c'est le budget du couple, il y a un échange qui doit se faire normalement pour pouvoir améliorer, éclairer davantage la situation. Or, je pense que ça ne se passe pas très calmement, puisque avec la carte de l'adversaire, il y a plutôt tendance à avoir des disputes, des querelles.
des désaccords qui peuvent être assez importants. Il peut y avoir aussi de la malveillance. Voilà. De la malveillance dans le sens où, alors soit c'est vous, cher Capricorne, soit c'est votre partenaire, c'est pas forcément vous, hein, c'est pas parce que on est en train de voir ce qui concerne votre signe que c'est directement vous à chaque fois. Ça peut être le ou la partenaire. Et en tout cas, ça concerne en fait les personnes, quoi. Je disais que il peut y avoir donc oui de la malveillance avec certaines plaisir à nuire. J'ai du mal à le dire, mais il peut y avoir ce type de choses quand cette carte justement fait son apparition. En plus, là, elle est assemblée, elle est avec une carte qui parle vraiment de stratégie, d'ambition, très très grande ambition par rapport à l'aspect matériel et financier, par rapport à un désir de bien-être, mais de confort, hein, pas bien, juste bien-être, confort. Et je pense qu'il peut y avoir en plus là, dans votre situation, une emprise. Alors, c'est toujours la même chose, hein. Soit c'est vous qui faites cette emprise par rapport à l'autre personne, soit c'est l'autre personne par rapport à vous. Et l'emprise, c'est vraiment, c'est plus psychologique, bien sûr, hein. Je ne l'ai pas précisé, mais voilà. On va passer sur le deuxième point où on parle donc du point de l'obstacle et il y a la carte de la persévérante. Alors la carte de la persévérante, normalement, c'est une énergie qui comme le dit très bien le titre de la carte, quelqu'un qui persévère, c'est-à-dire quelqu'un qui ne baisse pas les bras, quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui sait convaincre, etc., etc. Or là, ici, elle est affaiblie d'abord parce qu'elle est sur le point de l'obstacle et puis en plus, elle est à l'envers. Donc, ça veut dire que il y a déjà d'une part, elle a du mal à convaincre les personnes avec qui elle échange, avec son entourage notamment, son environnement. Elle a du mal à s'imposer. Je pense qu'il y a un ralentissement, justement, un blocage, un ralentissement de l'influence que vous avez d'habitude. Et vous avez le sentiment de ne pas pouvoir agir pour transformer votre vie. Comme si c'était une période de malchance, là, que vous étiez en train de traverser. De toute façon, on voit bien que c'est une période difficile et complexe quand on regarde déjà la totalité du jeu. Il y a une volonté de repartir sur des choses qui sont tout à fait positives. Or, ce n'est pas possible pour l'instant. Je pense qu'il y a trop de soucis, de préoccupations, des discussions qui sont récurrentes sur laquelle il y a, comme on dit, achoppement. Et en fait, c'est comme si vous étiez dans une voie sans issue pour le moment. Et avec peut-être un sentiment, parce que le sentiment de ne pas progresser, de ne pas arriver, de ne pas pouvoir progresser. Un sentiment de régression plutôt. Comme si on vous poussait à la case départ.
mais à une case départ avec une idée de régression. C'est le sentiment que je pense vous avez qui est le plus fort en vous durant ce mois d'octobre, hein. Et en fait, ce n'est qu'un mouvement cyclique. Vous êtes revenu à une situation passée, à des circonstances passées, et parce que les choses n'étaient pas réglées entièrement. Elles n'avaient pas abouti, vous n'aviez pas réussi à aller jusqu'au bout et à en démêler l'affaire en question. Je pense que c'est une affaire qui est liée, donc, comme je l'ai dit au départ, à quelque chose de matériel, une situation matérielle et financière qui n'est pas réglée entre vous et qui pose problème actuellement, qui est revenu sur le présent et qui pose problème actuellement. Alors, sur l'évolution de la situation, on a la carte de la gardienne. La carte de la gardienne qui est associée à la carte malheur. C'est pourquoi je dis que c'est une situation complexe que vous êtes en train de vivre sur ce mois de d'octobre et sur l'évolution. En plus, on voit que c'est toujours pas réglé, c'est toujours pas éclairci. Alors donc, on parle de transformation, mais cette transformation, elle passe par une destruction de quelque chose. Elle passe pour moi par une épreuve importante. On va voir parce que je vais rajouter des cartes là. Je pense que là, dans l'évolution de la situation, justement, je disais, donc on a la carte malheur comme je l'ai dit juste avant. Mais justement, c'est parce qu'il y a des circonstances qui sont difficiles et ça crée en fait, au niveau affectif, au niveau sentimental, il y a des choses qui, ça ne s'éclaircit pas du tout, j'ai l'impression que ça s'aggrave. En tout cas, il y a un sentiment d'inhibition, et j'ai le sentiment, alors voilà, ça me vient un peu plus fort, j'ai le sentiment également qu'il y a une personne dans les partenaires, une des deux personnes qui, sans s'ouvrir vraiment, sans l'exprimer, souffre beaucoup en fait, mais n'a pas exprimé cette douleur. Alors, on va rajouter une carte sur ici, sur le point présent. Et sur le point de l'évolution. Voilà, c'est comme ça que je vais faire pour l'instant. Essayez de savoir sur le point présent. Qu'est-ce qui pose problème? Et puis sur l'évolution, voir qu'est-ce qui peut débloquer la situation. Alors, je coupe. Je prends la première carte pour la poser déjà sur le point présent. Et on va poser une deuxième carte sur le point de l'évolution. Voir comment débloquer la situation. Peut-être qu'on aura une réponse satisfaisante. Alors, la première. Alors, on a, je vous montre la carte, on a de nouveau la lune dans son sens positif, hein, cette fois-ci, hein. C'est-à-dire à l'envers. Et ici, on a le mât. Donc, je vous montre la carte aussi. Voilà.
Et du coup, je vais rajouter quand même une carte ici sur le point là. Le point de l'obstacle. Alors, ici, on a la carte de la justice. Alors, attendez. Je regarde un peu. Ah, cher Capricorne, j'ai le sentiment avec ces trois cartes supplémentaires. On va commencer par la lune qui est dans son sens renversé, donc favorable. Sur l'aspect présent, j'ai le sentiment que j'ai parlé tout à l'heure de se libérer. Je crois que c'était au niveau de ce point-là, de l'obstacle. Et là, je pense que justement, cette carte apporte l'information qu'il y a des influences. Ah oui, j'avais parlé de d'emprise, voilà, d'emprise psychologique. Et bien, ça confirme en fait ce que j'ai dit à ce moment-là. C'est que psychologiquement, il y a une emprise par rapport à votre environnement. Qui vous influence ou alors c'est qui vous influence parce que vous l'acceptez. Attention, c'est totalement différent. En fait, vous êtes sous l'emprise de votre entourage, de votre environnement, et vous, en fait, ce que vous vivez, c'est que vous n'arrivez pas à vous exprimer, à dire, à formuler vos désirs sans avoir des angoisses, des anxiétés. Et peut-être les angoisses et les anxiétés justement de votre entourage que vous captez et qui vous empêchent justement de vivre avec beaucoup plus de liberté. On va en parler sur la dernière carte. Avec beaucoup plus de liberté en vous. Et ce qu'il faut, ce que cette carte vient dire, c'est qu'il faut vous libérer. Il faut absolument vous libérer de cette influence ou de ces influences par rapport au milieu dans lequel vous êtes. Et pour arriver à sortir de cette... je dirais de cette emprise, de ce filtre prison, comme dans une cage invisible, et auquel vous aspirez de sortir, mais seulement il faut en prendre conscience. Donc là, il va falloir faire un travail sur vous-même, et parce que là, ça ne crée que des rivalités, et en fait, les rivalités, ce sont vos rivalités intérieures, qui se projette inconsciemment, vous le faites, hein, vous projetez vos peurs sur l'extérieur et en fait, ces peurs, elles s'expriment à travers ces personnes, elles créent cette emprise que sur vous, mais au fond, c'est votre propre prison intérieure, vos angoisses, vos anxiétés que vous projetez sur l'extérieur. Or, il va falloir travailler, faire ce travail sur vous. Donc, il y a différentes méthodes à faire pour de relaxation,
visualisation, respiration, voilà, vous trouverez bien de toute façon. Mais il faut absolument vous libérer de tout ça, de toutes ces angoisses. Et sur le point justement de l'obstacle, on a la carte de la justice qui fait appel à un besoin d'équilibre, à un besoin d'éclairage, à un besoin de discipline, de discernement, d'engagement. L'engagement, il est seulement avec vous-même, hein. L'engagement, c'est vis-à-vis de vous-même. Ce n'est pas vis-à-vis de telle ou telle personne de votre entourage. C'est vis-à-vis d'abord de vous-même. Quand vous arriverez à vous aligner de cette façon-là, vous arriverez non seulement à vous libérer, mais vous serez beaucoup mieux dans votre corps, dans votre esprit, puisqu'il n'y aura plus ce filtre, cette prison qui vous retiendra. Sur la carte suivante, sur le point suivant, on a le mât. Donc le mât, c'est justement l'autonomie, l'indépendance, le libre arbitre. Il n'empêche que, voilà, j'ai parlé de ça, j'ai pas parlé de sentiments amoureux, etc. Mais les sentiments amoureux sont là. Ils sont toujours présents, ils sont toujours là. Ils ne partiront pas. Hein, ils ne vont pas s'atténuer, etc. Simplement, vous serez libéré et vous arriverez davantage à vivre votre vie en ayant donc votre autre à vos côtés. Le lien, vous le vivrez avec beaucoup plus de confort, de paisibilité et d'harmonie. Puisqu'on voit à la fin, avec la carte du mât, que vous êtes beaucoup plus libre. Et il y a toujours cette qualité de capter ce qui est invisible, puisque le mât, c'est un personnage qui a son indépendance, oui, et qui suit son intuition. Et là, on voit que il suit son intuition, il sait où il va, il a confiance en lui et ne s'arrête pas aux petites choses qui peuvent le troubler, enfin qui pourraient le troubler. En fait, il n'est pas troublé parce que il est vraiment ancré et il sait comment faire face et s'adapter aux choses qui pourraient lui faire barrière. Vous voyez, c'est un vraiment, lui, il est éclairé, hein. Voilà, cher Capricorne, je vous souhaite une très bonne continuation, surtout que vous arriviez à vous libérer de toutes ces choses qui vous empêchent d'avancer. Je vous remercie d'être venu voir donc cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir!